Patrice Evra est revenu sur les attouchements sexuels dont il a été victime à l'âge de 13 ans. L'ex-international français est en fait en promotion pour son autobiographie « I Love This Game », livre dans lequel il a brisé ce tabou, celui des attouchements qu'il a subi de la part de son professeur principal au collège. Sur le plateau de l'émission française « C'est à vous », Evra a raconté « Chaque soir, c'était un cauchemar. Dès que la lumière s'éteignait, je me suis battue avec lui plusieurs fois. À un moment, j'ai dû prendre les lacets de mes chaussures pour attacher mon pantalon. » Pour ne pas qu'il réussisse, et la dernière nuit que j'ai passée, il a réussi. Je l'explique en détail dans le livre. L'ancien défenseur a bien insisté sur le fait qu'on parle de son principal d'école, avec qui il jouait aux jeux vidéo, avec qui il faisait ses devoirs, il allait aussi manger chez lui et dormir chez lui. Donc c'est cet homme, en qui sa famille avait confiance, qui a agressé Patrice Evra. Finalement, selon le footballeur, le plus difficile dans tout ça, ça a été d'affronter sa mère. À l'âge de 13 ans, Patrice Evra avoue d'ailleurs ne pas avoir réussi à lui dire. Sa mère aurait en fait découvert la vérité 15 jours, à peine avant la publication du livre. Bien sûr, elle était dévastée. C'était un moment compliqué pour moi. Ce n'est que maintenant que j'ai 40 ans que je lui ai dit. Ce fut un grand choc pour elle. Beaucoup de colère. Elle a dit qu'elle était désolée. À l'époque, sa maman soupçonnait certainement quelque chose, mais de moins grave. Parce que quand sa maman demandait « Pourquoi tu ne vas plus dormir chez ce monsieur ?», le petit Patrice Evra trouvait toujours une excuse. Quand Patrice Evra avait 24 ans, la police l'a appelé parce qu'elle enquêtait justement sur cet homme. Et la police lui a demandé, puisqu'il avait dormi avec cet homme, « Est-ce qu'il vous a touché ?». Et à cet âge non plus, l'ex-joueur de Monaco n'a pas pu parler et a répondu tout simplement non. C'est plus tard que la libération de la parole s'est enclenchée. Lorsqu'Evra regardait une émission sur la pédophilie en compagnie de sa femme, la femme de sa vie comme il l'a dit, sa compagne a en fait vu la tête qu'il faisait, il lui a demandé « Patrice, qu'est-ce qu'il y a ?» Et c'est là qu'Evra a parlé. Sur le plateau de C'est à vous, l'ex-international français a expliqué ceci. « Les gens ne voient que l'arrivée, mais c'est un long voyage, un chemin avec des hauts et des bas, des souffrances, des histoires pas très belles. Ça a forgé mon caractère. » L'ancien défenseur de l'OM en a aussi profité pour remercier sa femme. « J'étais prêt, mais je dois beaucoup à Margot, la femme de ma vie. J'ai réussi à me débarrasser de cette toxique masculinité. J'ai grandi en entendant que pleurer était un signe de faiblesse pour un homme, c'est ce que me disait mon père. » Si l'ancienne star du ballon rond a décidé d'en parler publiquement, c'est surtout pour libérer la parole pour les jeunes, la nouvelle génération, des personnes qui ont été dans la même situation que lui. Comme il l'a conclu, ce livre c'est vraiment pour donner de l'espoir. Tonton Pat a aussi évoqué un autre sujet à l'occasion de la promotion de son livre, l'homosexualité et l'homophobie dans le football. Comme il l'a résumé, dans le monde du foot, c'est simple, tout est fermé. Ensuite, l'ancien joueur de United a raconté cette anecdote. « Quand j'étais en Angleterre, ils ont fait venir une personne pour parler de l'homosexualité à l'équipe. Certains de mes coéquipiers ont dit lors de cet échange, c'est contre ma religion, s'il y a un homosexuel dans ce vestiaire, il doit dégager du club. » À ce moment-là, Patrice Evra a dit « Tout le monde la ferme. » Vous vous rendez compte? Moi, j'ai joué avec des joueurs qui étaient homosexuels. En tête à tête, ils se sont ouverts à moi parce qu'ils ont peur d'en parler sinon. Il y a au moins 2 joueurs par club qui sont homosexuels, mais dans le monde du foot, si tu le dis, c'est fini. Donc Evra explique qu'il y a des joueurs de football homosexuels, bon, il te dit 2 par équipe, mais en soi, il n'a pas joué partout. Mais ce qu'il dit surtout, c'est que ces personnes, qu'elles soient 2, plus ou moins, n'arrivent pas à s'affirmer pour être elles-mêmes dans un milieu qui est si excluant. En témoignent les réactions des joueurs qu'Evra a rapportées. Voilà, donc t'as une partie de ce qu'a rapporté Evra dans son autobiographie. Est-ce que toi, tu penses lire ce livre ?